Moi, je m'appelle donc Abdel Temsamani. Donc, je suis âgé de 33 ans. J'habite en Belgique, donc j'ai grandi en Belgique. Je suis né en 77. Je suis à l'heure actuelle donc professeur de danse en Belgique de hip-hop, salsa, raga, reggaeton, et également assistant social. Donc, je travaille dans une fonction publique également en journée. Donc, je cumule les deux fonctions. Tu peux aujourd'hui nous dire où nous sommes? Oui, bien sûr. Donc là, on est physiquement, on est en Flandre. Donc la Belgique est partagée en trois entités. Donc on est ici en Flandre, à Mechelen, plus exactement. Donc on y habite depuis à peu près 8 ans. Et alors voilà, donc on a grandi à Saint-Josse, on est venu ici à Mechelen, on est venu chercher la tranquillité. Alors ici, donc moi j'ai découvert la danse à l'âge de 10 ans. Donc j'étais vraiment vraiment passionné, fasciné par les personnes qui tournaient sur la tête. Donc je voulais faire exactement la même chose. Donc j'ai commencé d'abord en me cassant un bras, en me cassant une jambe. Mais voilà, donc j'ai commencé par ça. Puis au fur et à mesure, donc j'ai découvert la danse debout. Donc je me suis intéressé vraiment à certaines techniques bien particulières, de la hip-hop en l'occurrence. Et alors on a travaillé avec donc des amis à l'époque pour divers artistes, donc vraiment de tout horizon. Et alors c'est vrai que moi j'étais très gourmand, donc j'ai découvert plusieurs autres styles, que ce soit le jazz, le classique, le contemporain, la salsa également. Donc comme je te disais à l'instant, donc je forme donc des personnes en cubaine. Voilà, donc et au fur et à mesure des années, donc on grandit, on travaille pour des films, on travaille pour des événementiels, on chorégraphie pour des grands noms. Et à l'heure actuelle, donc j'enseigne dans plusieurs écoles de Belgique et je forme également des danseurs. Ici, en fait, moi, j'ai fait un parcours vraiment normal. Donc, j'ai fait plusieurs écoles, enfin que les écoles catholiques d'ailleurs ici en Belgique. Donc, j'ai fait mes 6 années primaires, donc réussi avec succès. J'ai fait également mes années secondaires avec des petites turbulences, une année de raté, mais voilà, ça m'a servi de leçon aussi. Donc, j'ai réussi ma 6e secondaire générale ici en Belgique. Et après ça, je me suis orienté, enfin, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, à la base, j'étais parti sur la kinésithérapie. Donc, mais voilà, ce n'est pas le truc qui me bottait le plus, mais je me dis pourquoi pas. Et puis c'est vraiment par hasard qu'un ami à moi est passé à la maison. Il m'a dit, écoute, voilà, il y a une journée porte ouverte pour faire assistant social. Je lui ai dit, écoute, ça c'est pour les femmes. Bon, ben, par curiosité, on a été voir. Et voilà, mais aujourd'hui, donc, j'ai terminé mon cursus scolaire, donc supérieur. Donc je suis assistant social de formation et je travaille depuis maintenant 3 ans et demi à peu près dans la fonction publique. Mais ici en fait c'était compliqué, c'est-à-dire que moi j'ai terminé mon parcours scolaire en 2001. Donc je l'ai terminé en 2001, puis je dansais à l'époque énormément, donc je bougeais beaucoup, je voyageais beaucoup, mais je ne travaillais pas en tant qu'assistant social. Je bougeais énormément. Mais à un moment donné, il a fallu également se stabiliser, comme on dit, hein. Donc, je me suis dit, voilà, si je devais envisager une vie future, il faut également que je puisse avoir une stabilité. Donc, j'ai travaillé en tant qu'assistant social, j'ai retiré certaines heures de cours. Et alors, au fur et à mesure, j'ai trouvé un mode d'organisation qui me convient. C'est-à-dire que mes cours se passent le soir, mon métier se passe en journée. Et alors, j'essaie un peu vraiment de mélanger les deux. Maintenant, par rapport à la question purement sociale, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était de trouver un. J'étais très frustré en fait de ne pas trouver la liaison entre mon métier en tant qu'assistant social et mon métier en tant que danseur. Donc je voulais vraiment mettre à profit ma passion, qui est celle de la danse, voilà, avec laquelle j'étais bercé depuis tout petit, ma passion avec mon métier en tant qu'assistant social. Et donc là, depuis le mois de septembre 2009, pour être précis, je suis sur le développement d'un projet humanitaire donc au Maroc. Donc on récolte ici en Belgique des milliers de vêtements pour les familles, les enfants défavorisés là-bas au Maroc. Et très prochainement, donc tout part là-bas. Donc je vais assurer toute la distribution. Et alors, donc je vais également tenter de pouvoir faire avec, mais j'espère la participation également marocaine, tenter de faire tout un spectacle et avec donc des danseurs d'ici, éventuellement de là-bas, ce que j'aimerais vraiment, donc pouvoir travailler sur l'échange. Et faire en sorte à ce que tous les fonds soient également distribués pour des associations diverses, pour les handicapés, pour les enfants maltraités, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté, pour répondre à la question, la liaison entre le social et mon métier en tant que danseur.
Bismillah, je m'appelle Al-Hajj Hadi Souad, je suis alhamdulillah née à Tanger. Fadiqal, c'est un parcours, vraiment un long parcours. Vu que moi, la danse, ça ne m'intéressait pas. Et lui, ça l'intéressait, c'était son rêve, c'était son domaine. Ensemble, je l'ai laissé plutôt, on va dire, vivre son petit monde et moi d'un autre monde. Mais ça me bloquait dans des tas de choses, Alhamdulillah. Mais j'ai vu qu'il était vraiment enthousiaste dedans et il était épanoui. J'ai laissé faire au fur et à mesure. Et j'espère, Inch'Allah, qu'il continuera. Et je lui souhaite tout saada. C'est tout ce que j'espère, Inch'Allah. Je m'appelle Temsa Manirizlen, j'ai 22 ans, petite sœur de Abdelatif. Voilà, je travaille comme vendeuse et voilà. Ben, mon grand frère, c'est le grand frère. Et voilà, je l'ai vu. Enfin, j'ai grandi avec lui dans la danse. Je crois qu'on a un peu tous suivi ses traces. On a tous adoré la danse. On a tous fait un petit moment, un petit parcours de danse. Et puis voilà, nous, on s'est arrêté là parce que c'était pas spécialement une passion. C'était quelque chose qu'on aimait bien, mais voilà, sans plus. Lui, ça a toujours été son truc. Il dansait peu importe où il était, que ce soit dans sa chambre, que ce soit dans les escaliers, que ce soit dans la cuisine. Enfin, voilà quoi. Ça a Dans toujours les été son escaliers truc. aussi. Ouais, partout. Tu peux nous raconter une anecdote justement? Bah, une fois, donc on habitait encore à Saint-Josse et moi je montais les escaliers. Et, lui avait sa chambre tout en haut et la porte était ouverte et il est sorti et dansait sur le palier et il est rentré dans sa chambre. Voilà quoi. Et C'est justement, son truc. il t'a enseigné quelques pas de danse ou Ouais, quelques cours de danse? ouais, ouais. J'ai toujours adoré la danse, donc voilà. Je crois qu'on a tous ça dans la famille, on aime tous danser, cette famille, et voilà. Ça a été ton premier prof. Ouais, on peut dire ça. Moi, je veux juste dire que on n'a pas toujours spécialement cru en lui. Enfin, on a peut-être eu des moments de doute et il a tenu le coup. Il nous a prouvé que voilà, il était capable, qu'il avait besoin de personne pour le soutenir spécialement, que il a vraiment fait ses preuves. Et je veux dire juste aux gens qui ont envie de faire ça, qui ont cette passion, qui ont vraiment ça dans le sang, parce qu'il faut vraiment l'avoir dans le sang. Il faut vraiment sentir que la danse, ben, c'est nous. Je leur souhaite franchement de persévérer, de continuer à fond dedans. En tant que danseur? En tant que danseur, donc j'ai. Ben, bizarrement, en fait, il y a eu une espèce de concurrence. Donc à l'époque, c'était vraiment ça. C'était l'idée d'être le meilleur. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment comme ça en Belgique. C'est celui qui se dénotait par rapport au reste. Donc moi, c'était ma première motivation. Donc je n'ai jamais voulu arrêter, de me former en tout cas. Et puis alors, plus surprenant, donc on m'a posé la question il y a un petit temps également sur ma plus grande motivation. Mais bizarrement, c'est ma famille. Je veux dire, à l'époque, mes parents voyaient très très mal le fait que je danse, voilà, mes études. Il fallait faire un choix, il fallait. Ah, c'est vrai, hein? Ça, c'est certain. Donc, il fallait faire impérativement un choix, mais tête brûlée, voilà. Donc, tête brûlée comme j'étais, il fallait que je les convainque du fait que c'est effectivement une passion, mais c'est également un métier avant tout. Donc, tu n'avais Et pas le que. choix de faire quelque chose Voilà. de Donc, très bien. voilà, exactement. Donc, je me suis battu pour mes études, mais je me suis également battu pour leur prouver que la danse, mais voilà, c'est également un métier à part entière. Donc, amusant, certes, mais en tout cas, c'est vraiment. Ça a été mes deux motivations principales, vraiment, vraiment. Donc la concurrence et puis ma famille qui, l'air de rien, même s'ils ne voulaient pas que je le fasse, et moi, ça avait l'effet inverse sur moi. Donc, si, mais effectivement, j'ai commencé il y a 12-13 ans, hein, donc 12-13 ans dans l'école. Alors, à la base, c'était pas du tout comme ça. Donc, il n'y avait pas toutes ces couleurs, il n'y avait pas toutes ces portes, il n'y avait pas. Donc, tout a été rapistolé. Même au niveau de la salle, donc vous allez voir tout à l'heure. Non, absolument pas. C'est la directrice qui a tout refait. La place que vous voyez là, n'y était pas du tout. Donc, c'est à force vraiment où l'école a grandi qu'on a commencé à faire les travaux. Et alors, même dans la salle, donc à l'époque, il y avait vraiment du parquet. On n'était pas à l'aise du tout dessus. Puis on a rajouté ce qu'on appelle du lino, donc c'est un tapis de pro en fait pour danser dessus. Et voilà, donc depuis lors on a évolué. Voilà encore l'une de mes élèves, hein. Donc elles viennent toutes.
Donc voilà, c'est un peu l'historique de cette salle ici. Voilà, je m'appelle Loris. Je suis à Saint-Va ici. En fait, je suis des cours depuis 2 ans chez Abdel. C'est lui qui m'a fait découvrir la danse. C'est un univers que j'apprécie énormément. Je trouve que niveau prof, il est excellent. Il n'y a pas, y a rien à dire. Et tout ce qu'il m'a appris pour le moment, ça m'a servi en battle, en freestyle, enfin plein de choses. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, tiempo, gauche, eso, 1, 2, 3, 4, gauche, 1, 2, 3, 4, eso, 3, 2, et ça repart, et, 3, dans le sol, dans le sol. Tiempo, 1 et 1. Oh, oh. Aïe, 3, 3, 3. Basique, basique. Et. On plie. Les mains. Les mains. Lâche, gauche. Droite, gauche. Tempo, 2, 1.